Merci Seigneur. Eh bien, s'il te plaît, mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Merci pour le privilège que nous avons d'être assemblés à tes pieds. Parle-nous, Éternel, par ton Saint-Esprit. Communique-nous tes lumières. Donne-nous ta sagesse. Instruis-nous de ton intelligence, ô Père. Et que nos vies, Éternel, basculent à un autre palier de la vie sur terre selon ta pensée arrêtée au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour la puissance de la vérité, qu'elle vienne dans nos vies pour créer une embellie remarquable, la guérison de nos corps, la restauration de nos âmes, la réorientation de nos pas par ta puissance élevée. Père, que ton nom soit glorifié. Merci. Je mets une demande devant le trône de la vérité. Donne-moi encore aujourd'hui ta sagesse, ton intelligence pour être à même d'enseigner avec droiture, simplicité et profondeur les mystères de ta pensée, de la vérité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, ce matin, nous allons aborder un thème dont on n'a pas coutume d'en parler à l'église et qui, en fait, pour moi, je pense que c'est dommage. Et ça peut même avoir des conséquences dommageables qu'on ne soit pas instruit au sujet, justement, du thème que nous allons aborder en communauté. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de l'argent dans le foyer. La gestion de l'argent dans la famille. L'argent dans le foyer. Proverbe 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Voyez-vous, ce qui donne à une famille, à une maison de s'élever, ce n'est pas l'amour des conjoints. Les conjoints peuvent s'aimer profondément et la maison s'écroule. Parce que la maison ne s'élève pas sur la base de l'amour, la maison s'élève sur la base de la sagesse. Et ce qui donne à une maison d'être affermie, c'est l'intelligence. Ce qui amène la prospérité dans une maison, ce n'est pas l'amour des conjoints. Ce n'est même pas la prière des conjoints. C'est d'abord la sagesse que les conjoints dégagent dans la gestion de la famille. Donc la sagesse est vitale. La sagesse est importante. La sagesse est indispensable. Beaucoup de personnes se sont aimées. Et beaucoup de personnes ont vécu des situations dramatiques alors qu'elles s'aimaient. Elles se sont divisées, chamaillées. Leurs familles sont tombées en ruine parce qu'elles ont manqué de sagesse. Eh bien, la sagesse est dans la mère. C'est très important de tout succès. On ne peut pas réussir sans sagesse. C'est quoi donc la sagesse? Première définition. La sagesse, c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie, quand tu demandes à Dieu de faire quelque chose dans ta famille, quand tu demandes à Dieu d'intervenir dans tes affaires, quand tu demandes à Dieu d'intervenir dans tout ce qui est rattaché à ta personne, Dieu passe par la sagesse pour intervenir. Donc la sagesse, c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. D'accord? Ensuite, la sagesse, c'est quoi d'autre? Deuxième définition, elle est la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons. Beaucoup de personnes ont la tête bourrée de versets bibliques. Beaucoup de personnes ont la tête remplie de connaissances livresques. Mais face à la vie, eh bien, elles démontrent simplement qu'elles ont une connaissance intellectuelle des choses, mais manquent de sagesse dans l'application et la gestion de la vérité ou de leur vie. Donc la sagesse est importante. Alors la sagesse, donc, voilà, la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Alors quand il y a un problème dans une maison, un leader, il comprend tout de suite quelle est la base du problème. Donc l'intelligence analyse la situation et comprend la situation. Et la sagesse fait la prescription de la situation pour pouvoir sortir de la situation. Donc, l'intelligence est le médecin à l'étape du diagnostic et la sagesse est le médecin à l'étape de la prescription. Les deux marchent ensemble.
Ça va pour chacun d'entre nous. Alors la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire que ta manière de voir, tu dois faire attention. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, dans toutes tes voies. On n'a pas dit de reconnaître ta coutume, la tradition des hommes. Non, mais de reconnaître Dieu. Est-ce que la décision que je prends dans tel ou tel domaine de ma vie est en parfaite harmonie avec la sagesse de Dieu ou alors la mienne? Et c'est quand tu le reconnais dans toutes tes voies qu'il a plané ton sentier. Alors beaucoup de problèmes que les couples ont financièrement parlant viennent du fait qu'elles ont été ignorantes de ces vérités ô combien fondamentales. Je vais vous communiquer. J'en suis sûr. Ce message va bouleverser radicalement ta famille. Va permettre une embellie, une progression, un autre palier de la jouissance du bien-être, du bonheur dans ta maison. Donne-moi ton meilleur amen. Vous allez vous rendre compte, on dit reconnaissez dans toutes vos voies. Dans toutes vos voies, généralement, à 75% statistiquement parlant, les problèmes émanant de nos familles naissent de trois axes principaux. Premièrement, la communication. La communication. Comme cet homme qui dit à la photo de sa femme, « Oh, je t'aime, chérie. » Mais sauf que la photo, ce n'est pas la femme. La communication. D'accord? Ensuite, on a le sexe, la gestion des rapports sexuels, le sexe dans les familles. Et on a l'argent. Et je vais vous dire, avant de continuer, que beaucoup de croyants que vous voyez sont malheureux en famille. Beaucoup de familles chrétiennes souffrent parce que certaines situations ne sont pas bien adressées. Nous parlons tellement de choses, des choses du ciel, comment il y a de l'or, comment il y a du diamant, comment il y a ceci. Et les affaires pratiques courantes de la vie, nous esquivons, nous passons à côté. Il est important d'adresser ces questions. Parce que j'entends bien quelqu'un dire, oui, mais pourquoi, qu'est-ce que l'argent a à voir dedans? Pourquoi on peut parler de l'argent à l'église? Eh bien, parce que Jésus a beaucoup parlé d'argent. Et que 18 de ces 36 paraboles avaient lié trait à l'argent et aux choses matérielles. Vous ne pouvez pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. C'est très important. Et je vais vous dire une chose importante, vraiment en toute humilité, devant le trône de la grâce. Je pense avoir assez de sagesse dans ce domaine précis. S'il y a un domaine où je sais que Dieu m'a vraiment équipé et profondément équipé, c'est le domaine de la sagesse financière. J'ai des éclairs de Dieu. Des lumières dans ce domaine qui peuvent aider ceux qui humblement veulent apprendre. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend à tout âge. 99-2000, j'avais 15 000 francs de salaire par mois en tant qu'homme de Dieu. Vous avez eu 23 euros, 25 dollars par mois. C'est ce que je touchais. Alors de là à là où je suis arrivé, sans avoir tendu la main à quelqu'un ou aller supplier, faire quoi que ce soit, il faut de l'intelligence financière, il faut la sagesse de Dieu pour être arrivé là. Alors donc c'est cette sagesse que je veux te communiquer. Et je parle avec ma femme en face. Très important. Et surtout, écoutez-moi bien, en cette période où le monde va dans une nouvelle crise. Nouvelle crise, pourquoi? Parce que la peur est en train d'être générée sur la planète. La chèreté de la vie, les choses deviennent de plus en plus chères. Frère, on a besoin de sagesse et d'intelligence financière. Si vous ne l'avez pas, je vous garantis, vous êtes dans les problèmes. Donc, il est impérieux en cet état de votre marche d'intégrer la sagesse financière dans la gestion. Vous en avez besoin. Absolument. Ecclésiastes, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. La Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et dans Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais on ne doit pas se livrer à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Pourquoi Dieu parle du pain et du contentement? Ce n'est pas tant qu'il veut te faire du surplace, mais dans le processus de croissance et dans le processus de ton enrichissement par la main de Dieu, c'est te contenter de l'étape où tu te trouves sans te comparer à ceux qui t'ont devancé. La vie est une question de sagesse et de parfait équilibre, de contentement.
Bien, tu dors dans un entrecoucher. Super. J'ai dormi dans moins que ça. Ça, j'ai dormi dans entrecoucher levé. Parce que tu couches et puis la pluie tombe, tu te lèves en pleine nuit. Donc, c'est même pas couché. C'est couché levé. Mais nous passons par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible prévoit ça. Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Donc la vallée n'est pas faite pour y habiter, c'est fait pour traverser. Ce message te permettra de traverser, même si tu es dans la vallée. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu ne fait exception de personne. Les meilleurs jours concernant ta vie sont à venir. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voyez-vous, dans la Bible nous parle là du danger d'être amoureux de l'argent. L'argent doit retrouver sa place dans la vie de chaque croyant. L'argent n'est pas un maître, mais l'argent est un serviteur. Mais au travers de l'enseignement qu'on va faire tout à l'heure, tu auras toi-même le temps de découvrir pour voir si véritablement l'argent dans ta vie est ton serviteur ou l'argent est ton maître. Et Dieu va ouvrir vos yeux sur l'opération de la sorcellerie dans la famille des croyants. La sorcellerie, c'est quoi? Le contrôle des gens par la manipulation, l'intimidation et la domination. Donc quand on manipule, quand on intimide, quand on domine, on est dans la sorcellerie. Et là, vous verrez l'œuvre de maman. Donc, comment se m'envoyer, puisqu'on parle de famille, allons-y à la fondation. Parce que la famille commence dans la fondation. Il faut faire attention à la fondation. Quand on bâtit une maison, la fondation est importante. Et je vois aujourd'hui, je parle aux jeunes gens ou à ceux qui veulent se marier, faites attention à comment est-ce que vous entrez en contact avec la femme que vous voulez épouser. Ne pratiquez pas la technique de l'enfumage. Essayez de présenter ce que vous n'êtes pas. Ah, vous l'amenez dans les gros restaurants, grands restaurants. Vous donnez 10 000 francs d'argent, 100 000 francs d'argent de poche chaque jour que vous vous voyez. Vous allez tenir le coup? Ah, ça. Est-ce que vous allez tenir le coup? Et souvent même, vous êtes obligé d'aller prendre la voiture de votre ami, de votre oncle, pour aller impressionner la femme. Est-ce que vous allez tenir le coup? Cette femme finira par venir dans votre maison. Alors, ce que vous avez semé, vous le moissonnerez plus tard. Alors, l'erreur qu'un homme ne doit jamais commettre, s'il veut bâtir une famille stable, il ne doit jamais chercher à impressionner la femme par l'argent qu'il a. Mais bien au contraire, il doit impressionner la femme par la vision qu'il a. La vision de sa vie. Parce qu'elle entrera dans ta vie pour t'aider à atteindre un objectif divin. Voilà. Ne mentez jamais sur votre salaire. Ne faites pas de fausses déclarations. Parce que même ça, c'est punissable par la loi divine. Voilà. Ne n'allez pas au-delà de vous. Non. Bien au contraire. Si vous voulez faire quelque chose, diminuez même votre standard. Ah oui! C'est très important. Et ça revient, ça rejoint le fait que dans nos sociétés aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils vont prendre un long travail, ils prennent un crédit pour s'acheter une voiture. Vous les voyez, tous les jours, ils ont de nouveaux costumes. Le but de ça, c'est quoi? C'est la chair. C'est en fait parce qu'ils veulent impressionner la gente féminine. Nous ne sommes pas des animaux. C'est chez les animaux qu'on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle pour improviser la semelle. Ça, c'est pas, on n'est pas des animaux. On est des hommes spirituels. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Est-ce qu'en seul moment, tu t'imagines que la forme de ta destinée, Dieu t'aide à la voir? Dieu t'aide à la voir. Dieu va t'aider à la voir. C'est très important. Donc, c'est important, frère. Notez ceci, écoute-moi attentivement. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas que tu sois content. Mais c'est que tu sois transformé. Dieu bénit l'homme et la femme, verset 8, il les bénit ensemble. Soyez fécond, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Et il bénit les deux ensemble. Mais dans l'intelligence divine, comme il sait que l'homme va être l'autorité de la femme, il fait apparaître l'homme en premier sur la terre. Vous pensez sur un hasard? Non! Parce que l'homme et la femme ont été créés le même jour, bénis le même jour. Mais l'homme arrive en premier sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui doit être leader doit avoir une longueur d'avance. Il doit avoir une longueur d'avance. Il arrive sur terre. Il a une communion avec Dieu. Il a une adoration avec Dieu. Il prend de la longueur. La plénitude. Il est dense dans sa relation. Et plus loin, il nomme les animaux.
Dieu voit comment ce gars travaille. Il est travailleur. Il a une belle relation. Alors, quand il termine son travail, prouvant à Dieu qu'il est parfaitement équilibré et qu'il atteint le domaine où il peut avoir une responsabilité supplémentaire. À partir de ce moment, il fait tomber la femme dans l'homme dans un profond sommeil. Il sort la femme de sa corne. La femme n'était pas loin. La femme était en lui, mais ce n'était pas la saison de la voir. Ce n'était pas la saison de la voir. Alors je vais te dire une chose, ne te presse pas. Beaucoup de personnes détruisent leur avenir de famille parce qu'ils se pressent. Si Dieu ne t'a pas fait tomber dans le sommeil, ne prends pas toi-même un médicament pour dormir. Il faut laisser le sommeil de Dieu arriver. Amen. Quand l'heure n'est pas encore arrivée, ce n'est pas encore arrivé. Eh bien là, voyez-vous, l'homme doit être le leader. Il doit être le leader. Il doit être le leader. Voyez-vous, donc ça veut dire que quand l'homme est tombé dans le profond sommeil, parce qu'il est un leader, alors l'Éternel le fait tomber dans le sommeil. La Bible dit, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. On est à Genèse 2, verset 22, et il l'amena vers l'homme. Regardez, l'homme et la femme, l'homme dit, voici celle-ci qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, pas ailleurs de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Mais cet homme dont le mariage a été béni est un homme qui a démontré sa maturité, un homme responsable. Le drame dans nos communautés, c'est qu'on donne en mariage des enfants qui sont irresponsables. Et on voit des gens qui n'ont pas de travail. Et les frères et sœurs, cotisez, on va leur prendre une maison pour qu'ils se marient. Ça, c'est un mauvais leadership. On n'a pas à cotiser pour qu'un homme trouve une maison. Un homme qui n'a pas un endroit où dormir ne doit pas encore trouver une femme. Il ne doit pas trouver une femme. Seigneur, je brûle, tu brûles en contre-saison. On doit chasser le démon en question. Ce n'est pas une brûlure normale, c'est une brûlure charnelle. Vous comprenez ça? C'est très important, frère. Donc, madame, pose-lui la question. Tu travailles où? Tu fais quoi? Ah non, les femmes sont devenues matérielles. Non, 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 non. Non, 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 non. Elles sont devenues spirituellement réalistes. C'est pas matérialiste. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est très important. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, continuons. Voyez-vous, la Bible dit que l'homme est le chef de sa femme comme Christ est le chef de l'Église. Alors, cette analogie est très bonne. Chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc, le leader de sa femme. On va revenir sur ce mot chef, qu'on utilise vraiment souvent à tort et à travers, pour qu'on comprenne ce que Dieu voulait dire. Donc quand la femme arrive, l'homme a tout, l'homme est riche, l'homme a tout. Alors c'est tout à fait normal. Donc la femme, elle trouve un homme qui peut prendre soin d'elle. Si elle accepte le nom que donne l'homme, c'est parce que quelque part l'homme lui-même est en équilibre. Pourquoi je parle de ces prières-là? Parce que ça va jouer dans la famille plus tard. Alors suivez-moi bien et notez ceci, le mariage est une alliance. Il ne faut jamais l'oublier. Le mariage est une alliance. Quel que soit ce que notre monde contemporain essaye de voler dans l'alliance du mariage, n'oubliez jamais, dans le concept initial du mariage, Dieu a voulu que le mariage soit une alliance et pas n'importe laquelle, une alliance de sang. L'alliance de sang est une alliance à caractère immuable. D'ailleurs, une alliance qu'on ne doit pas briser. C'est une alliance éternelle. Il n'y a que la mort qui met fin à cette alliance, en fait, entre l'homme et la femme. Toute personne qui interrompt ce genre d'alliance l'interrompt à ses risques et périls. C'est une alliance qu'on ne doit pas interrompre. Et voyez-vous, ensuite, quand on parle d'alliance, on parle de pacte, on parle de contrat. Il y a des engagements mutuels l'un envers l'autre. On ne va pas revenir dans ces engagements l'un envers l'autre. C'est pour ça que la Bible dit ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ta femme, le corps de ta femme ne t'appartient pas. C'est un engagement mutuel. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. D'accord? C'est important. Donc, comme Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, l'homme peut dire à sa femme, donne-moi ton corps. C'est-à-dire, en fait, il peut demander. Parce que là, c'est une alliance. Et la femme peut demander le corps de son mari. C'est une alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Maintenant, si vous devez une seule chair,
d'accord, et que vous êtes en alliance, comprenez que l'alliance met ensemble les passifs et les actifs, les alliés. Quand on parle de passifs, si vous avez des dettes, vous devez. Quand vous entrez en alliance, les passifs sont partagés. La dette de ton allié devient ta dette. La dette de ton partenaire d'alliance devient ta dette. Donc, quand ta femme vient en mariage chez toi, si ta femme devait 13 millions de francs à quelqu'un et que toi, tu as 14 millions, le jour où vous êtes marié, il te reste 1 million. Parce que les 13 millions, là, vont aller régler d'abord toutes ses dettes. Ah ben, ça va régler toutes ses dettes. Et si tu avais fait des économies, ma soeur, dans un compte, tu as gardé. Dès que tu te maries, l'argent là devient pour vous deux. Vous partagez les passifs et les actifs. Alors vous voyez que, parce que cette vérité, on ne veut pas bien l'assimiler. Les femmes disent, ouais, oh, moi vraiment, aujourd'hui on a tellement de femmes matérialistes. Oh, je veux un homme qui a beaucoup d'argent, qui a si. Je vais encore dire aux femmes avant qu'on continue, c'est vrai que l'homme doit avoir l'argent, mais l'argent n'est jamais ce qu'on doit rechercher en un homme quand on veut l'épouser. La crainte de Dieu doit rester le critère numéro un. Écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire une chose. Il y a des problèmes que les riches ont que les pauvres n'ont. Un pauvre va découcher difficilement parce qu'il n'y a pas d'argent d'hôtel. Il y a des problèmes qu'on n'a pas quand on n'a pas d'argent. Il y a un genre de problème que l'on peut ou n'a pas. Alors l'argent que tu cherches chez un homme là peut être l'objet de ton traumatisme à la maison. Combien d'hommes chosifient leur femme et traitent leur femme avec mépris à cause de l'argent. Allez demander aux femmes, quand elles sortent là, elles prennent les sacs là. Leur seul bonheur, c'est le sac qu'elles portent. Hein, en dehors de salade. Pour plusieurs, il n'y a plus de bonheur. Vieillesse anticipée. Parce que, en fait, l'argent qu'on cherchait est devenu la source de tous nos malheurs. Je connais des femmes qui prient et qui disent, Dieu, qu'est-ce que tu vas briser mon homme? Mais leur brisement, il faut qu'ils perdent l'argent, Seigneur. Fais que ces affaires ne marchent pas. Tu apportes ton contrat, tu dis, j'ai gagné un contrat, la femme ne rit pas parce qu'elle sait que, pendant mais un problème encore s'est amassé dans la maison. Elle sait que le meilleur moyen de t'avoir en équilibre, c'est quand tu n'as pas d'argent. Mais ce sont des choses, des faits contemporains, non? Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Donc, vous voyez, c'est très, il faut faire attention. Et c'est pour ça que, voyez-vous, Dieu, quand il parle d'alliance, il n'a jamais été question dans la tête des hommes. Écoutez-moi bien de Dieu, de parler de bien séparé. Je vais adresser des choses qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Bien séparé dans la pensée de Dieu, il n'a jamais été ainsi au départ. Jamais. Alors, que suis-je en train de dire que les personnes qui sont croyants et qui ont fait de bien séparer, c'est mauvais? On verra plus tard si c'est mauvais ou pas. Mais je dis au départ, il n'en était pas ici. Mais le monde a évolué. A tellement évolué que la sagesse de Dieu, elle s'applique différemment. Mais, il faut rester dans les mêmes principes, celui de l'accord, de la vérité, de la transparence, qui doivent régir la gestion de l'argent dans toutes les familles. Accord, vérité, transparence. D'accord? C'est très important. Marc 5, 3, verset 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et la base de la division, c'est souvent l'argent. L'argent, l'amour de l'argent, l'argent. La femme n'est pas contente, les enfants ne sont pas contents, le mari n'est pas content. Le problème vital, c'est l'argent. Et l'argent peut être la source de division. Si c'est mal géré, ça cause des problèmes énormes dans les familles. Donc nous allons utiliser la sagesse de Dieu pour aider de façon très pratique à gérer l'argent dans les familles. C'est vrai que quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de modèle spécifique que Dieu a donné. Alors, que ce soit dans la manière de faire les rapports sexuels, mais c'est même parce qu'il n'y a pas de modèle que Dieu a donné les rapports sexuels, que les rapports sexuels doivent être désordonnés. Il y a quand même dans la Bible des limites aux actions que Dieu nous donne. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a des rapports contre nature, ah bien, on n'a pas besoin de dire que Dieu n'a pas montré de position. Toi, tu sais que ça, ce n'est pas bien. Dans tous les cas, le lieu d'exit n'est pas un lieu d'entrée. Même à l'autoroute. Quand on dit exit, on ne sort pas à la... On n'est pas à l'exit. C'est pour sortir, ce n'est pas pour entrer. Donc, il y a quand même une intelligence divine qui doit régir la gestion de la vie. Donnez-moi le meilleur des amens. Attends, c'est pas parce qu'on dit non, ben, il faut que les couples soient en accord, s'ils sont en accord, ça va, c'est pas vrai. C'est une ignorance.
Ananias et Saphira s'étaient en accord pour voler Dieu, ils sont morts. Non, parce que non, mais les femmes s'accordent que ça devient Dieu. Ça devient, non, c'est pas vrai devant Dieu, non. Vous ne pouvez pas vous accorder dans le feu. Alors on viendra donc sur la base de l'accord dans la vérité. Je pense avoir la sagesse de Dieu qui va nous aider. Donne-moi ton meilleur amen. Donc il y aura 7 cas pratiques. Cas numéro 1, le mari travaille et la femme ne travaille pas. Le mari travaille et la femme ne travaille pas. Et ça, c'est un cas qu'on a plus, ok, dans notre société. Là, on a beaucoup plus de couples où le mari travaille et la femme ne travaille pas. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que ça se gère, l'argent dans le couple? Premièrement, il faut bien que vous compreniez que les deux doivent se mettre toujours ensemble. Et donc, s'ils sont devenus une seule chair, l'argent du mari qu'il gagne, il ne peut pas se dire « c'est mon salaire ». La femme doit aussi se considérer que c'est son salaire, donc le mari a le salaire du couple. Ton silence m'embête. Donc le salaire du mari est le salaire de la famille. Donc la femme peut demander à son mari, « Mais dis-moi chérie, depuis là, on ne nous a pas augmenté notre salaire. » Voyez-vous? Voyez que ça vous paraît. Mais attendez. On est une seule chair. Attendez. On est une seule chair, vrai ou faux? Non, on est une seule chair, vrai ou faux? Très bien. Alors, je vous pose une question. On est une seule chair. La Bible, qui le croit? Qui croit ce que la Bible dit? Alors, si on est une seule chair, et que donc, il y a un salaire qui tombe entre les poches du mari, le salaire appartient à qui? Alors, est-ce que la femme ne peut pas demander, est-ce que le salaire n'a pas été augmenté? Parce que c'est votre salaire. Chérie, on n'a pas augmenté notre salaire. Bien. C'est notre salaire. Et ça dérange les hommes parce qu'ils veulent tenir la femme avec « Ah, c'est moi le chef, c'est moi l'argent. » Non, mes frères, c'est aussi vrai que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'influence. On se soumet difficilement à quelqu'un qui n'a rien. Et c'est pourquoi avant de chercher une femme, assurez-vous d'avoir quelque chose. Cependant, quand vous avez quelque chose et que vous mettez à profit de ce que vous dirigez, vous gagnez en autorité et en estime. Donc, mettre le salaire à disposition du couple, dans ce cas, tu gagnes en estime au jeu de ta femme. Ta femme retrouve la sécurité parce qu'elle est informée. Et ensuite, vous devez planifier ensemble de la gestion de ce salaire. Ce n'est pas une planification individuelle, mais une planification commune parce que la femme t'a été donnée comme aide. Deux de mes fils m'ont dit, « Ah papa, là tu as frappé fort. » Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous devez décider ensemble une planification intègre. Vraiment, vous planifiez. Quelles sont les semences qu'on donne à Dieu? Point numéro un, nos semences. Vous décidez ensemble des semences que vous donnez. On reste à 10%. Est-ce qu'on va à 15? Est-ce qu'on va à 20? Chérie, c'est ça dans ton esprit. Prions et voyons ce que Dieu nous dit. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a tel projet, combien est-ce qu'on donne? Vous le planifiez ensemble et vous priez ensemble à la maison et vous apportez la semence à l'autel. Dieu visitera cette maison. Dieu bénira cette maison si vous agissez ainsi. Maintenant, il peut arriver, généralement, c'est plus que l'homme dise à la femme, non, tu vois, c'est petit, l'argent est petit, on ne peut pas encore se permettre de prendre 10% de l'apporter à l'église. Et la femme doit dire à son mari, c'est bien parce que c'est petit qu'on doit se permettre d'apporter 15% à l'église. Elle t'aide. Parce qu'elle sait qu'en mettant ce mécanisme en marche, il y a une sécurité dans sa famille. Les enfants grandissent sous la protection de Dieu et ils ont un avenir. Je vais vous dire quelque chose de clair, madame. Un homme qui ne donne pas sa portion d'alliance à Dieu, s'il a trompé Dieu, toi c'est petit. C'est petit, je te dis c'est petit. Voilà, voilà ça. Ça démontre ton niveau de manque d'intégrité. Et là, vous voyez des gens qui sont déjà pris par des démons, on ne sait pas d'où, développer des doctrines du genre, oui, bon, la dîme est dépassée et tout. Nous ne parlons pas de dîme en termes de loi, nous parlons de dîme en termes de principe. Principe fondamental. Un homme qui a un problème avec ça, soit il est un démon sous la forme charnelle, soit il est endémonisé. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, possédé par le Satan, par le diable.
Non, c'est important que nous comprenions ça. Donc vous discutez ensemble, voilà, de la gestion de l'argent, discutez ensemble des chats à la maison, la gestion de votre famille, l'argent des pots des enfants, comment est-ce que ça se passe, la scolarisation, les écoles. Et c'est là où le pragmatisme doit intervenir. La femme, les femmes, pragmatisme. Il ne faut pas dire qu'on doit mettre notre enfant à l'école du ciel parce que notre voisine a mis son enfant à l'école d'Angleterre. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre ton sac où ta main arrive. Alors, écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas les écoles qui coûtent cher qui donnent la meilleure éducation. Ah, non. Je me suis rendu compte que certaines d'entre elles amènent vos enfants dans la drogue. C'est à la maison que ça commence. Si vous éduquez vos enfants à la maison, vous savez, moi, je n'ai pas fait une grande école, des écoles chères. J'ai fait des écoles gratuites, là. Mais je suis intelligent. Parce que ce n'est pas l'école qui te donne l'intelligence. Ah non, c'est très important que tu le comprennes. D'accord? Ne pas avoir de complexe. La société te mettra tellement de pression, tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Donc, il y a une planification rationnelle. N'amène pas ton mari à devenir un voleur s'il est trésorier, qu'il aille prendre à la caisse. Non, soyez rationnel. Contentez de ce que vous avez, agissez à votre palier. Et croyez en Dieu pour le meilleur. Ensuite vient alors là, l'épineux problème de la gestion des belles familles. De belles familles. Quand tu t'es marié, on a dansé dans la famille. Mais tu ne sais pas pourquoi chacun dansait. Il y a un oncle qui dansait trop à ton mariage. Parce qu'il savait exactement là où il allait commencer à poser ses problèmes de loyer. Et si tu ne fais pas attention, la belle famille devient la porte par laquelle Satan entre pour détruire votre avenir financier. Combien de jeunes gens n'ont pas eu d'avenir parce que dès qu'ils ont eu un salaire, dès qu'ils sont mariés, toute la belle famille a commencé à habiter dans la maison. Vous allez aller où avec ça? La mère est venue, la tante est venue, le petit frère est venu, l'oncle qui passait pour venir habiter est venu. Ta maison est remplie. Et puis tu te plains que le monsieur rentre tard. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Pas sa belle famille. Sa femme. Pas sa belle famille. Sa femme. Pas sa belle famille. Sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Sa femme. Est-ce à dire que la belle famille n'existe pas? Non. Elle existe. Elle doit être à sa place, après ta famille. Après ta famille. Amen. Donc, vous ne mettez pas de pression que vous ne pouvez pas gérer si vous n'en avez pas les moyens. Et puis, il ne faut pas penser, ah ouais, bon, je ne comprends pas, vraiment, ma femme, moi, c'est mon argent, c'est mon... Non, quand vous gérez ce genre de problème, c'est vous qui gagnez l'argent. Marie, écoutez-moi très bien, votre femme n'a pas de salaire, ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Parce que le fait qu'elle prenne soin de ta maison, elle est en train de faire manger, tirant les draps, sont lavés, et tout ce qu'elle est en train de faire à la maison. Si elle est à la maison, c'est un travail énorme. Et encore, après avoir fait tout ça à la maison, le soir, encore, tu la sollicites. Quand vous entendez les hés, là, vous comprenez de quoi il s'agit. Voyez-vous? Vous comprenez? Ah oui, non. C'est mon argent, c'est mon argent. Non, c'est notre âge, tu ne travailles pas. Il ne faut pas tout le temps être en train de rabâcher à ta femme. Tu ne travailles pas, c'est mon gars, tu ne travailles pas. Non, c'est un problème dont tu dois en guérir. Vraiment, tu dois en guérir. Tu fragilises ta femme, tu détruis ta maison. L'harmonie, la paix que tu dois avoir dans ta maison, tu la détruis. Parce que chaque centime, il faut que tu rappelles que c'est le salaire passe par toi. Non. Ce n'est pas bon du tout. Non. Et quand vous donnez l'argent, écoutez-moi bien, quand vous répartissez au niveau de l'argent de poste personnel, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que parce que vous êtes l'homme, vous avez besoin de plus. Souvent, il y a des hommes, ils sont eux-mêmes très compliqués. Et ce qu'ils exigent d'une femme est assez énorme. Ta femme doit aller, sa coiffure. Certaines d'entre elles, ce n'est pas leurs cheveux. Elles ont pris ça en aide. Ça coûte cher, ça fait le voyage. Bon, attends. Alors, quand toi, tu l'as rencontré avec ça. C'était ce style-là que tu as aimé. Les ongles-là, c'est un autre type. Ce n'est pas les originaux, c'est un autre truc qu'on a mis dessus. Même les cils, ça vient d'ailleurs. La crème, là, il y a 3, 4, 5 qu'elle met sur le corps pour être équilibrée. Donc, tout ça, c'est l'argent. Toi, tu vas chez le coiffeur, faire ring, 500 francs, tu payes. Mais elle prend 8 heures de temps pour sortir chez le coiffeur. Donc, tu dois en tenir compte dans l'argent de poche. Tu dois en tenir compte. Donc, mon frère, il faut que tu assumes. Ah ouais, que tu assumes.
tu l'as trouvée comme elle est, il ne faut pas qu'elle noircisse, elle doit être claire. Ah ouais, ah ouais, c'est clair, c'est comme ça que tu l'as trouvée. Son père a pris la main de sa fille. Sa fille brillait déjà. On a amené chez toi, c'est ça que tu as aimé. Ah mon frère, il faut entretenir. Il a pris la main de la fille, il l'a mis entre tes mains. Tu dois assumer. Et vous voyez, c'est pour ça que même lors du mariage, les beaux-pères, ils sont contents, mais un peu tristes. Parce qu'ils se posent la question de savoir, est-ce que ce gars n'est pas un voyou? Est-ce que ce gars ne viendra pas faire du tort à ma fille? Il y a des filles qui étaient rires, elles souriaient beaucoup, mais dans le mariage, on dit qu'elle est devenue spirituelle. C'est pas la spiritualité, elle souffre, elle ne peut plus rire. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre ça. Eh bien, tu le fais. Et ce qui est triste, c'est que moi je vois des gens, ils sont tout le temps en train d'acheter de nouveaux costumes, de l'habit nouvelle. Tu regardes la femme, bien les pieds de la femme, elle a la même chaussure pendant 3 mois. Le gars a les chaussures tout le temps, la femme n'a pas. Mais c'est quoi ça? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça c'est de... Attends, écoute-moi très bien, ça... Et vous savez, de telles personnes, s'ils arrivent au pouvoir, ils amènent nos pays en retard. Un homme qui agit comme ça va voler l'argent de l'État. Parce qu'il ne pense pas à ce qu'il dirige. Ton leadership commence dans ta maison. Prends le soin de ta femme et de tes enfants. Tu achètes un costume, ta femme doit avoir 2 robes. Une chaussure, ta femme doit avoir 2. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que toi, tu es tiré de la terre. La terre, là, c'est pas trop de problème. Mais elle est sortie de la côte. Elle est délicate, elle est raffinée. Elle est travaillée. Donc, il faut ça. Voyez-vous, c'est important. Alors, à partir de ce moment, vous avez l'argent, eh bien, à cette étape, et faites un effort, ayez un compte commun. Un compte commun, si vous le pouvez, c'est l'idéal. Vous signez ensemble. D'accord? Cela ne veut pas dire que le mari n'aura pas un compte, il peut signer tout seul. Il est bien d'avoir un compte commun. Vous signez. Parce que souvent, tu penses que, eh bien, c'est une faiblesse. Mais le jour où tu as un problème, tu te rends compte que c'est une force. Que tu as donné le pouvoir à ta femme de pouvoir t'aider. Tu ne peux pas appeler quelqu'un à être à tes côtés pour t'aider et tu ne dois pas les moyens de t'aider. C'est important. Tu peux avoir une crise la nuit, on a besoin d'argent. Ou un jour, on a un problème. On a besoin d'argent pour te sauver. 15 000, il n'y a pas. Parce que tous les jours, même pour aller acheter la rachide, il faut que tu te dis, je vais faire le marché aujourd'hui. Ça fait 145. Mais pourquoi 145? En fait, hier, c'était 125. Tu discutes les détails, les petits détails là. Et en fait, c'est ça. Et puis finalement, amen, tu es tellement avare que le seul endroit où il peut t'avoir, c'est au marché. Et le drame, c'est que tu fais tout ça et les soirs, tu es dans les maquis en train de boire avec tes amis, alors qu'à la maison, il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien à la maison, tu n'en vaux rien. Sérieusement, c'est irresponsable. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, c'est très irresponsable. Cette manière de gérer l'argent. Très irresponsable. Tu rendras des comptes à Dieu. Il faut de l'équilibre. De deux, deuxième cas, le mari et la femme travaillent. Le mari et la femme travaillent. Alors c'est encore plus intéressant. On a là 2 revenus. On a une femme qui gagne ici, on a le mari qui gagne là-bas. Alors c'est très bien. Si c'est votre cas, c'est parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 2 ensemble. Le mari a 1 million, la femme a 900 000, ça fait 1 million 900 que le couple a. À cette étape, mesdames, acceptez que l'argent d'une femme n'est pas son argent. Ah non, l'argent de l'homme, c'est pour le couple. L'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Ça, c'est la sorcellerie. Une femme qui fait ça... Non, 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 je vous dis la vérité. Une femme qui fait ça est une sorcière. Non, non, non. Tu ne peux pas assumer... Non, non, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas assumer que l'homme se bat, se débat pour ta famille... Et il a de l'argent. Et toi, ton argent n'entre pas dans la maison. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu. Et je vais vous dire, homme, n'acceptez pas des choses que Dieu n'a pas acceptées. Ne participez pas au péché d'autrui. Et c'est pour ça qu'avant le mariage, discutez de ça. Parlez avant. Parlez de ça avant. La femme a un enfant avant. Demandez-lui comment l'enfant va être. Tu as un enfant avant. Discutez avant. Qui va prendre soin de cet enfant-là? Comment ça va se passer? Parlez avant.
C'est pas non, Papitou n'a pas d'argent de scolarité. Papitou ne vient pas de moi. Qu'est-ce qui se passe de Papitou? Est-ce que son père assume ou pas? Non, non, c'est, vous en parlez avant. Frères et sœurs, avant. Le patron dit non, on est pressé pour se marier. Non, non, on est tellement pressé qu'on n'est pas pressé. Il faut prendre le temps. C'est à ça que servent les fiançailles. Assois les bases. Avons un protocole d'accord de gestion de la famille. Quand il y a des points comme ceux-là, indélicats, vous devez discuter de ça avant. Prendre conseil pour ça. Pour que notre famille soit équilibrée. Voyez-vous, c'est très important. Donc la femme doit, pendant qu'on discute, aussi être à même de dire, ok, voilà, je mets mon salaire sur la table, on y va ensemble. Et quand la femme met son salaire sur la table, mon frère, dans ce cas précis, et un salaire central, un compte bancaire central, où vous signez à deux, un compte où son salaire va, et un compte où tu es. Donc, vous discutez ensemble, quel est le budget de souveraineté de chacun. Et vous devez être transparent. La femme doit savoir, et tu dois savoir. Et je vous dis la vérité, vous le faites, ça marche. Dieu bénit la famille. Ne cachez rien du tout. Soyez transparent. Quelqu'un m'a dit, oh, si ma femme sait que j'ai l'argent, je suis foutu. Je dis, mais non. Non, vous savez, en fait, c'est dû au fait des noms que vous donnez à vos femmes. Bébé. Quand tu appelles ta femme bébé, c'est normal. Elle va te manipuler comme les bébés manipulent leur mère. Bébé, bébé. Si tu sens que bébé, là, ça devient lourd, change. Il n'y a pas que bébé. Quand vous voyez un enfant qui passe avec son père, et s'il est avec sa mère, demandez à un enfant, tu vas habiter avec ton père ou ta mère. Il va dire quoi? La mère. C'est facile. Parce que dès qu'il a eu de maman, chocolat. La mère dit non. Chocolat, maman, chocolat. La mère dit oui, pas un chocolat. Mais dès qu'il a eu devant le père, parce que là, le père, ça figure l'autorité. Eh, avance ici. C'est fini. C'est fini. Le problème est réglé. C'est terminé. Et les enfants savent comment ils vous tiennent. Ils savent. Ils connaissent les points faibles des uns et des autres. Quand tu appelles ta femme bébé, sache que ta femme connaît ton point faible. Elle sait comment te tenir. Si une femme veut te prendre dans son jeu, la valse, tu vas être pris. Donc il faut savoir te tenir pour dire fermement non à ça. Non à ça. Quelqu'un dit non à ça. Même si elle serre le visage. Ah, tu vas au travail. Tu as fait ce qui est juste. Mon ami, il ne faut pas mourir avant ton heure. Ah non, 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 non. Tu veux toujours laisser le visage en train de sourire à tout moment. Tu vas voir la vessie avant l'heure. Hein. Il faut dire ce qui est vrai, c'est vrai. Ce qui est droit. Tu es le leader. Le leader doit se tenir sur la vérité. Vous devez être d'accord. Vous parlez. Tu dis, là, on est ferme là-dessus. Ah non, mais non. Mais c'est pas possible. Il y a cette fête-là. Il faut que j'aie une nouvelle robe. Ma chérie, on n'a pas d'argent. Non, 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 non. Mais regarde mes amis. Regarde là-bas. Ils ont une nouvelle télé. Mais c'est pas possible. Je veux connaître cette maison. Voilà. Maintenant, en tant que chef, ne réagis pas comme ça. Anticipe et te dis, bon, chaque fois qu'il y a une fête, ma femme pense à nouvel an. Maintenant, trouve une technique. C'est la sagesse. Moi, je bénis Dieu pour ma femme. Ma femme n'est pas comme ça. Je bénis Dieu. Mais oui, il y a des choses que vous gérez aussi dans la prière. Vous pouvez modifier le caractère de votre femme. Quand vous prenez le repas dans l'air, même génétiquement, les influences là, qui sont nées d'un passé soupirant après des choses qu'on n'a pas eues, vous pouvez faire taire dans la prière. C'est ça aussi le rôle d'un homme. Je rends grâce à Dieu. Je trouve ma femme, elle n'est pas attirée par les choses. Je rends grâce à Dieu. Mais elles ne sont pas nombreuses. Je sais que c'est une grâce de Dieu pour moi. Je le lui dis. Je dis aux gens. C'est un privilège. Et cependant, vous voyez, c'est important de savoir anticiper. Alors, comment tu anticipes? Ah ouais, mais non, mais il faut que j'ai une nouvelle robe. Attends, quand toi-même, tu sais que la fête arrive, mais son stratège, c'est la sagesse. Tu restes comme ça, tu réfléchis, tu arrives vraiment. Tu sais, tu es une femme extraordinaire. La fête, là, il faut que tu sois sapée. Elle dit, ouais, chérie, ouais. Il faut que je sois sapée. Ah non, absolument. Moi, je sais que je vais être sapée ce jour-là. Tu vas dans la panerie, tu sors une tenue d'il y a un an. Tu dis, ces derniers temps, je suis trop attiré par les tenues vintage. Tu sors ça, tu mets ça devant. Ah. Le sourire n'est pas bon, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Essaie un peu le visage. Chérie, essaye. Tu sais une chaussure. Une ancienne chaussure, là.
Chérie s'est blessée. Mais c'est ça le vintage. Il faut que je sois blessé un peu. Voilà. Moi, j'aime bien. Dans tous les cas, c'est pour moi que tu t'habilles. Moi, je te préfère comme ça. Mais voyez-vous. Et là, à partir du moment où toi, ça te plaît, et que tu parles à ta femme en rassurant ta femme, parce que souvent, elle le fait. Elle cherche de nouveaux habits parce que tu n'as pas de compliments. Donc, tout le temps, elle se dit, peut-être à la future robe, là, il va me complimenter. Mais tu t'étais. Elle fait la nouvelle coiffure, elle passe devant toi, tu regardes. Elle dit, oh, je viens de voir le match. C'est pas qu'elle ne sait pas que tu vois le match. C'est qu'elle se dit, mais je me suis coiffé depuis, tu n'as rien dit sur ma coiffure. Apprends à apprécier. Et tu vas te rendre compte que quand tu as trop apprécié une coiffure, elle reste dessus. Le jour où ma femme a coupé ses cheveux, elle dit, waouh, quelle chère coiffure. Waouh, mais les cheveux coulent, waouh. Elle est restée dessus pendant 6 ans. Après, elle dit, hé, mon Dieu, faut changer de coiffure. Faut changer. Amen. Elle est restée 6 ans dans la même coiffure. Tellement j'ai fait les attes à la cour de la coiffure. Elle est restée dedans en même temps. Pendant 6 ans dans la coiffure. Dernièrement, j'ai dit, ma chérie, toi aussi, 6 ans. Laisse pousser tes cheveux un peu. Ah, quand même. Elle a dit, bon, ok, je vais laisser pousser. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, c'est plus pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant, on a un cas où le mari travaille, ne travaille pas et la femme travaille. Cas numéro 3. Alors, bon. Alors, je vous donne mon avis sur ce point. On connaît le principe des dépenses. Premièrement, ça peut arriver que la femme ait un salaire que le mari n'en ait pas. Et ça ne doit arriver, pour nous croyants, que parce que le mari a perdu son travail. Ou parce que ses affaires ont périclité. Pas parce que vous êtes rencontrés et que le gars a eu des techniques de gigolo pour épouser une femme pour prendre son argent. Ça, c'est pas bon. Dans tous les cas, moi, je ne mènerai pas au mariage dans cette église. Où le mari dit, je n'ai pas de travail. Et puis la femme travaille. C'est pas ici que vous allez vous marier. Simplement parce que je sais que ça va augmenter des problèmes aux soins pastoraux. Vous serez toujours dans les problèmes. Toujours dans les problèmes. Donc vraiment, ce cas-là, il faut d'abord que... Ce n'est pas des bons cas. D'abord, c'est... Non. Il faut vraiment que l'homme travaille. Maintenant, si la femme a perdu, si l'homme a perdu son travail, c'est normal que la femme soutienne son mari. Parce que la femme est une aide. Elle soutient son mari. Elle doit donner à son mari de la considération, même sans son salaire. Se souvenant que pendant les moments d'abondance, cet homme était prêt pour elle. Mais si tu as chosifié ta femme avec ton argent, je te garantis, elle n'oublie pas. Ça va brûler en cette période-là. Elle va tout faire pour te rappeler que quand tu avais ton argent, ce n'était pas bien. Voyez-vous, mais il faut, en tant que croyant, on doit se soutenir. C'est très important. Il ne faut pas que tu commences à être fâché, tout le temps tu es fâché. Tu commences à être fâché, tu commences à penser que bon, si tu avais épousé ton collègue, c'était mieux que ton mari. Tu as oublié que hier, là, ce mari-là, c'est lui qui a aidé à construire ta vie. Il peut aller en retraite avant toi et tu continues à gagner de l'argent. Il faut que tu soutiennes la famille. C'est le cœur de Dieu. Il faut que tu soutiennes la famille. C'est important. Ça peut arriver. Il y a des cas pareils où ça peut arriver. Mais on a davantage des gars calculateurs dans les assemblées. Beaucoup calculateurs. Et regarde la fille, il a une belle carrière, il dit oui, il va s'agripper. Et puis paf, il va détruire la fille en prenant tout son argent. Ça, c'est pas bon. Cas numéro 4, la femme touche ou gagne plus d'argent que l'homme. C'est-à-dire, là, c'est le cas, si l'homme travaille, il a de l'argent, mais il a un salaire moins consistant que celui de la femme. Et généralement, dans ces cas-là, j'ai vu que beaucoup d'hommes développent des complexes. Parce que quand la femme touche plus que l'homme, l'homme se sent diminué au niveau de son autorité. Même parler, ça devient un peu plus difficile. C'est comme si tout le temps, il se rappelle lui-même qu'en fait, ce n'est pas lui qui porte le pantalon dans la maison. Alors, je demande aux femmes, ne le faites pas ressentir. Ne le faites pas ressentir. Montrez à votre mari que, en fait, votre respect pour lui n'est pas dû au fait qu'il a beaucoup d'argent. Vous le respectez parce qu'il est le leader de la maison. Et si vous gagnez plus, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est Marie qui est tombée enceinte, mais c'est Joseph qui a protégé le couple. Donc il peut arriver que Dieu te donne une percée. Il te donne une percée et que ton mari n'ait pas la même percée.
Bon, il ne faut pas t'éloigner de lui ou alors développer une attitude pas saine. Ce n'est pas bien. En disant que non, voilà. Et puis là, tu te dis absolument, il faut que... Non, ce n'est pas bien du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut aussi traiter la question d'ego. Et régler cette question profondément. Et très, très profondément. Et je vous donne une autre sagesse, frères et sœurs, pour vraiment régler. Parce que ce problème, nous le vivons contextuellement. Et ça affaiblit la puissance de la parole, la question des bonnes familles. Souvent, quand une femme arrive dans un couple et que le mari a de l'argent, plus que la femme, alors la femme, la famille de l'homme a tendance à croire que la femme est venue voler l'argent du mari. Mais c'est une stupidité. Tu épouses ta femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même souvent, ça peut être ta mère, ça peut être tes frères. On n'aime pas ta femme parce qu'on la voit comme celle qui va venir empêcher qu'on t'exploite. Parce que là, tu vas prendre soin de ta famille. Vous devez utiliser de la sagesse. Alors, dès cet instant, vous mettez ensemble, vous dites, OK, on ne peut pas oublier nos familles. Cependant, voici ce qu'on va faire. Ça, c'est ce qu'on va faire. En ce qui concerne les questions de ma famille, s'il te plaît, mets-toi devant. Voir, règle des affaires de ma mère, des affaires de ceci, des affaires de cela. Tu envoies ta femme devant. Quand c'est ta femme qui va être l'interlocuteur avec ta famille comprend que ta femme n'est pas contre leur bonheur. Souvent même, tu dis non et ta femme dit oui, mais ça fait partie de la stratégie. Ah ouais, ça fait partie de la stratégie. Et il y a des moments où je peux dire à ma femme, maman, telle chose, vraiment, non, je ne ferai pas. Et puis, elle appelle ma femme. Ma femme parle avec elle, ma femme dit, je vais le manager. Et ma femme vient me voir, puisque c'est ma femme qui me parle. Ce n'est pas que je n'aime pas ma mère, j'aime profondément. Mais davantage, je le fais pour faire grandir l'estime de ma femme aux yeux de ma mère. Parce que c'est important que ma femme et ma mère s'entendent. C'est les deux personnes précieuses pour moi. L'une m'a porté et l'une me porte. Donc, il faut gérer avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'équilibre. Et idem pour l'autre famille. Donc vous ne pouvez pas être là et vous dire, oui, bon, moi je suis une femme, je gagne mon argent, je ne vais pas derrière, je fais les choses pour ma famille, mon mari n'est pas au courant. Ça fait ça de la sorcellerie. Même l'homme, vous devez informer votre femme. Vous êtes une personne. Vous êtes une personne. Et quand vous commencez à faire ça, vous devez vous rendre compte que votre famille est bénie. Parce que vous travaillez en accord. Les Africains en Afrique, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Et les gens de ta famille vont commencer à te faire voir ta femme comme étant ton ennemi, comme étant ton adversaire. Tu sais, avec la femme, il ne faut pas toujours te dire à ta femme, mon fils, j'espère que tu mets de côté les choses, ta femme n'est pas au courant. Tu sais qu'un vrai homme, c'est comme ça. Et là, les gens commencent à te donner des conseils sataniques. Et ça te paraît bien. La femme doit savoir tout ce que tu gagnes. La femme doit avoir l'information sur tous tes comptes bancaires. Ma femme connaît tout l'argent que j'ai, quel que soit l'endroit où sur la terre. Quand je gagne un nouveau contrat, je lui montre. D'ailleurs, je discute avec elle. Je l'implique dans la discussion des contrats. Je lui montre comment est-ce que je négocie avec les gens. Pourquoi? Parce que demain, elle peut... Ça, d'abord, au fur et à mesure que je le fais, elle gagne. Elle gagne, elle apprend de la sagesse que j'ai. C'est tout à fait normal. Et si demain, je ne suis pas là, elle perpétue. Elle continue le travail sans aucun problème. Elle ne doit pas être déséquilibrée quand tu as un problème. Non. C'est important. Et je dis aux hommes, ça vous protège. Ça vous protège parce qu'être transparent vis-à-vis de votre revenu, c'est comme si c'était un territoire qui a des drones. Vous êtes en train de repérer. Parce que là, vous mettez le drone pour voir si les rebelles peuvent entrer. La rébellion, là, il faut toujours être en train de surveiller. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes que seuls les riches ont, que les pauvres n'ont pas. Je connais des femmes qui sont à Abidjan, qui se lavent chez des fétichos au Mali, au Burkina, et elles ont la liste des hommes qui ont l'argent à Abidjan. Elles vont de bureau en bureau pour essayer de voir comment est-ce qu'elles vont soutenir. Elles vivent de ça. Je vous dis la vérité. Elles vivent de ça. C'est-à-dire, elles vont dans les... Donc, c'est pour ça que quand vous êtes convertis, vous êtes enfant de Dieu, priez. Dans la question, priez beaucoup parce que la bénédiction amène des problèmes qu'on n'a pas quand on n'est pas, quand on n'a pas accès à certains pays. Priez beaucoup. Priez pour vos maris. Couvrez-les du sang de l'agneau. Dites feu sur les frontières. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Non, c'est très important. Très, 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 très important. La transparence vous protège. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon cas, je n'ai pas dit de faire imam, ma femme peut me poser des questions. Je me dis, attends, il y avait tant sur ce compte, qu'en est-il? Il y avait tant, mais...
Pourquoi il y a ça ici? Pourquoi ça? Je réponds ça, m'énerver. Ah non, ah ça, il y a ça, 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 regarde ça, 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 ça. Et de la même manière, j'ai dit, est-ce que je peux avoir les relevés de tes comptes? Ah ouais, je pose la question. Je demande à avoir les relevés, je veux voir. Je regarde. Je regarde dans mon carnet, je regarde, je dis, bon, ok. Mais non, ici, c'était plutôt, il y a 1 million qui manque. C'est passé où? Ah non, c'est pas 1 million qui manque. On en discute. Ça fait tout à fait normal. C'est le compte rendu. Vous devez veiller l'un sur l'autre. C'est normal. C'est pas un manque de confiance. C'est plutôt l'application de la sagesse. C'est fondamental. Ils étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Vous devez avoir une nudité de gestion. C'est très important. Point numéro 5. L'homme est dans les affaires et la femme travaille. Eh bien, vous appliquez les mêmes principes de l'homme qui gagne plus que sa femme. Alors là, on dira, ouais, ben dans tous les cas, peut-être qu'il faille faire bien séparer parce que si on ne fait pas bien séparer, mes affaires peuvent tomber, on va venir saisir. Alors je vais vous dire une chose. Déjà, il ne faut pas toujours avoir des projections ou des problèmes. Moi, j'ai un problème avec ceux qui projettent des problèmes. Alors, d'autres diront, la salive du serpent, ok, très bien. Mais moi, ce n'est vraiment pas la meilleure façon de faire. Alors, cependant, si vous êtes convaincu que vous le faites, ne le faites pas parce que vous avez dans la tête quelque part envie de ne pas donner vos biens à votre femme. Dès que vous le faites, vous empêchez la bénédiction de Dieu d'être avec vous. Donc, faites-le véritablement parce que vous voulez protéger votre famille d'un éventuel problème. Là, ça peut passer. Mais ne dites pas, bon, dans tous les cas, tu sais, on ne sait jamais, les femmes d'aujourd'hui, elles peuvent venir, et puis après, mon fils demain, vraiment, fait bien de séparer. Et la famille se fâche. On dit, il y a des familles où on est derrière le garçon, il faut faire bien séparer. Ou alors, on dit à la femme, fais bien séparer, parce qu'on pense que la famille est tellement riche que le gars est venu pour chercher la famille. Souvent, c'est après que vous lisez l'heure. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'après que le gars que vous méprisez au départ, Dieu va tellement le bénir que vous regrettez. Mais attends, ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc l'homme et la femme, si l'homme et la femme font des affaires, alors vous mettez ensemble. Mais parlez ensemble de vos affaires. Ayez l'intelligence de discuter ensemble des affaires que vous faites. S'il y a des investissements, décidez ensemble. Deux valent mieux qu'un, la Bible dit. Un, ça sera 1 000, deux, ça sera 10 000. Mettez-vous ensemble et parlez. Amen. C'est très, très, très important. Ça, c'était le cas numéro. Cas numéro 5, l'homme et la femme. L'homme est dans les affaires et la femme travaille. Cas numéro 6, l'homme et la femme font les affaires. Cas numéro 7 maintenant. Ok, le mari travaille et la femme fait les affaires. C'est-à-dire la femme a plus de revenus que son mari. Et ça, encore, nous retombons dans l'éventuel problème de complexe. Vous ne devez pas être complexé. Proverbe 31 nous dit clairement que quand une femme est bénie parce qu'elle fait des affaires, son mari est considéré aux portes. Vous devez plutôt encourager votre femme. Si elle a ses dons, si elle est appelée à être une femme d'affaires, encouragez-la. Aidez-la dans ses affaires. Il faut que quand elle rentre à la maison, elle se sente soutenue par son mari. C'est très important. Ne la détruisez pas parce que vous avez peur que si elle gagne beaucoup, elle ne va pas vous respecter. Non, c'est l'argent de la famille. C'est l'argent de la famille. Si les fondements sont bons, tout se passera bien. Mais si tu prends cet argent pour aller t'amuser avec, pour aller faire n'importe quoi, c'est tout à fait normal qu'après, la femme soit démotivée et n'ait plus envie de partager ses revenus avec toi. Quelqu'un m'a posé la question, « Pasteur, mais si donc, je te donne l'argent comme ça et tout, à ma femme, et puis ma femme dilapide, et puis elle s'en va faire des choses et tout. » Une fois, deux fois, trois fois, en certains moments, vous arrêtez parce que même Dieu, en ce cas, les choses perdues, il coupe. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut te discipliner. Ça peut être aussi la femme qui décide et dit, bon, d'accord, je suis très gentil, c'est très bien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas si je te donne, mais avoir quand même pas, je veux quand même savoir ce que tu en fais. Tu ne veux pas demander que ta femme te donne l'argent, tu m'as dit, mais l'argent, tu as fait quoi? Tu vas dire, mais pourquoi tu me demandes? Ce n'est pas mon argent. Non, tu dois, c'est pas ton, comment toi aussi tu peux dire ça? Tu dois dire au moins à quoi ça a servi. Savoir rendre compte, c'est très important. Un grand leader va savoir rendre compte. C'est pourquoi même quand on veut être président de la République, on dit de faire des déclarations de biens. La déclaration de biens, c'est une chose de transparence dans ta gestion. C'est pour voir ta manière d'être transparent. Et qu'après, quand tu quitteras le pouvoir, on verra bien si tu as utilisé le pouvoir pour le peuple ou tu as utilisé le pouvoir pour toi. Et donc, il faut être transparent. C'est vraiment important. Donnons à l'argent la place que l'argent doit avoir dans la famille. Un serviteur, jamais un maître.
Ne respectez pas votre partenaire à cause de l'argent. Respectez votre partenaire à cause de Dieu. Amen. Parce que vous voyez en cette personne l'incarnation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Que sa grâce vous accompagne. Que sa faveur soit votre partage. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen trois fois. Alors, j'ai promis pendant 15 minutes de prendre quelques questions. On va prendre rapidement quelques questions avant le troisième culte. S'il y a des questions auxquelles vous voulez que j'apporte une réponse, tenez-vous debout rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Et on va gérer le culte d'après. Bon, on peut prendre 15 minutes pour questions. Je peux répondre aux questions. Je suis bien conscient du fait qu'il doit y avoir des questions. Donc, prenez, si vous avez des questions. Ok, très bien, mon frère, tiens-toi debout. Tu reçois le micro. Là, rapidement, rapidement, on va gagner en temps. On va gagner en temps. Merci. Oui. Bonjour, révérend. Bonjour. Je suis le frère Babi Martin. Oui. Ma question, c'est un peu, supposons que vous êtes marié, oui, et vous n'avez pas la même maturité spirituelle. Oui. C'est-à-dire, tel que moi, je vois peut-être les choses, ma femme ne voit pas comme ça. Est-ce que, parce que souvent, Dieu peut amener l'homme à, ou bien ou la femme à poser des actions que la femme ne comprend pas d'abord. Est-ce que dans ce cas, il faut toujours rester dans le cadre du consensus? Supposons que je vais poser une action d'un million quelque part, j'en parle à ma femme, elle dit non. Qu'est-ce que je fais? Bon, enfin, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où la décision que vous prenez n'est pas une décision qui est contre la parole, la volonté de Dieu, la décision qui prime est celle du mari et non celle de la femme. D'accord? Donc dans ce cas-là, tu n'as pas... Abraham n'a pas regardé au visage de Sarah pour amener Isaac sur la montagne. Ah. Une autre question. Moi, c'est la sœur Naomi Taouni. Pasteur, ma question est la suivante. Si tu es avec ton conjoint et que vous deux vous travaillez, à un certain moment, le conjoint décide que tu arrêtes de travailler, lui te paie le salaire. Juste pour ne pas, mais que tu perds ton travail, tu restes à la maison, t'occuper des enfants. Pourtant, tu aimes travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, enfin, généralement, c'est des questions que vous devez discuter avant le mariage. Mais si effectivement, alors je dis effectivement, la raison pour laquelle il ne veut pas que tu travailles, c'est parce qu'il estime qu'il faille que tu sois à la maison, t'occuper de la maison et des enfants, ce qui est vraiment une raison extrêmement noble. Ah, pour moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il va y avoir un problème. Sauf que ça devient un problème quand on le fait et qu'après on abuse de la décision qui a été prise. Mais vous devez parler, vous devez discuter. Je ne demanderai pas à un homme de brusquer cela du côté de sa femme. Vous devez en parler, discuter et qu'après, dans la prière, la femme rejoigne la conviction du mari pour prendre sa décision. Il ne faut pas forcer, parce que si vous forcez en disant « laisse tomber », je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de faire. Il faut convaincre. Il faut convaincre la femme à te suivre. Si à un moment vous vous rendez compte que vraiment ça devient difficile, parce qu'en fait, la société actuelle aujourd'hui, je vous raconte ce qui se passe aux États-Unis. On a des Africains qui partent ici, on a une belle vie ici, ils partent là-bas parce qu'ils vont avoir des crédits pour avoir une maison, pour avoir une voiture, ils s'en vont là-bas dès qu'ils ont besoin d'une voiture, ils laissent leur pays. La femme travaille du matin jusqu'à 18h30, elle quitte à 6h, 18h30, 19h, le mari commence le travail à 18h pour venir à 6h, donc il ne se voit jamais. Entre-temps, les enfants naissent et les enfants sont... Vraiment pas, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Je ne pense pas que Dieu veuille que nos enfants soient gérés par nos servantes. Personnellement, je ne pense pas que c'est... En fait, tu sais, ce n'est pas la servante de la mère de Moïse qui a allaité Moïse, c'était sa mère. Donc, l'éducation des enfants, en certains moments, doivent quand même primer quand il s'agit d'un couple. Si ça demande qu'une partie des deux, et généralement la femme, abandonne les autres charges qu'elle a pour s'occuper de sa famille, et que le mari peut assumer l'équilibre de la famille financièrement parlant, quoi de plus cet homme? Mais c'est du pur bonus. C'est extraordinaire. Vous vivez incroyablement bien. Il n'y a aucun problème là-dedans. Vraiment aucun problème. Sauf que bon, si tout le temps dans ta maison on t'a dit ton premier travail en tant que femme, ton premier mari en tant que femme, c'est ton travail, alors là, il faut faire une mise à jour. Parce que ton premier mari, ce n'est pas ton travail. Ton premier mari, c'est ton mari. Ok, très bien, une autre question. Oui. Oui. Moi, j'ai une question concernant la gestion des finances pour les familles recomposées. Oui. C'est-à-dire, si demain il arrive qu'on doit mettre à part l'héritage pour les enfants.
c'est extrêmement délicat parce que là, on touche vraiment des cas vraiment importants. Dans ce cas, ce que vous faites, ce que je peux conseiller, vous faites, vous avez des enfants, je dis c'est comme ça de gauche, je n'ai pas pensé à cette question. Vous avez des enfants, toi tu as deux enfants et il a un enfant, alors les trois enfants deviennent des vôtres. Alors, mais c'est délicat parce que souvent tu peux avoir eu les deux enfants d'un père qui est décédé. Le père qui est décédé a laissé son héritage à ses enfants-là. Alors maintenant, quand tu épouses un homme, les enfants sont encore mineurs, tu as la gestion de l'héritage de ses enfants. Et un homme se rend compte que tu es une veuve fructueuse. Alors il vient vers toi maintenant, il t'épouse. Alors c'est ce qui se passe. Il t'épouse, pas tant parce qu'il t'aime, mais parce qu'il sait que tu représentes une certaine forme pour lui, d'aise. Alors il vient vers toi. Bon là maintenant, je pense que dans ce cas-là, l'intelligence veut, puisqu'on parle de recomposition, l'intelligence veut quand même que l'argent des enfants qui a été légué par leur père soit mis à part. Ah oui, soit mis à part. Celui qui vient dans la famille, alors ce que vous gagnez à partir de ce jour-là appartient au couple, mais ce qui a existé avant est bien mis à part pour les enfants que tu as eu avant, avec leur nom dans les comptes. Et ça, c'est important. C'est ce que moi, j'aurais conseillé de faire. Question des internautes. Elena Kwebe. J'ai mon copain, il n'avait rien avant et aujourd'hui il a beaucoup d'argent. Il ne veut plus m'épouser, il s'éloigne de Dieu, je fais quoi? Ben alors, mais il s'éloigne de Dieu, c'est ton copain, tu le laisses s'éloigner et toi tu... tu n'as qu'à partir. Le gars s'éloigne, tu le laisses partir? C'est peut-être même pas lui qui s'éloigne, c'est que c'est Dieu qui le chasse. Donc, tu laisses partir. Ça, c'est même pas des débits. Il n'y a même pas de débat là-dedans. Tu laisses partir. Voilà. Donc, maintenant, si tu es tant convaincu que ça, que c'était l'homme de ta vie, tu pries. Voilà. Donc, vraiment, honnêtement, je pense que beaucoup de femmes perdent le temps à poursuivre les leurs. Alors, moi, j'ai vu déjà des cas où vous avez un homme qui est là. Lui-même, il n'a pas de maison. Il dort chez une femme. Voilà. Et lui vient derrière, il te promet, il va t'épouser. Il dort déjà chez une autre femme. Et il commence à te décrire la femme-là comme si c'était une sorcière. Et il dort entre la femme et lui, qui est sorcier? C'est lui qui est sorcier. Il y a des gens qui sont comme ça à te perdre le temps inutilement. C'est pour ça que crainte de Dieu devrait être le fondement sur lequel nous faisons les choses. La crainte de Dieu. Dieu n'est pas bête. Et puis en fait, vous savez, vous parlez de mariage, mes sœurs. On va vous dire, ouais, dans le monde contemporain aujourd'hui, on ne peut pas acheter un sandwich sans le goûter. Tu n'es pas un sandwich. Ouais. Le problème, c'est que quand vous commencez à mettre les rapports sexuels avant l'existence du mariage, vous détruisez, même si c'était la pensée de Dieu que vous vivez ensemble, la probabilité que ça existe. Vous pouvez faire avorter un projet de Dieu parce que vous ne respectez pas la voix de Dieu pour le projet. Et les hommes savent, non? Que s'ils veulent t'avoir facilement, ils disent mariage. Je vais t'épouser. Alléluia. Voilà. Ils savent. Donc, c'est ça le problème. Il faut faire très attention. Très attention à ça. Ok, ma question est la suivante. Oui. Comment reconnaître la femme de sa destinée et à quel moment devront-vous connaître, c'est-à-dire faire le cheminement ensemble? Non, là, vraiment reconnaître la femme de sa destinée, je ne sais pas comment tu vas faire pour te dire ça là maintenant. Alors, ce que je sais, c'est que quand tu vas la voir, tu vas reconnaître que c'est elle. Alors maintenant, le temps, en fait, comme je dis, il faut d'abord te construire, préparer, travailler par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à ton avenir. Et au temps marqué, quand tu seras prêt, donc comme on a parlé des critères au départ, quand tu sais que tu es prêt, à partir de cet instant, je te garantis, tu auras tous les éclaircissements qu'il faut pour reconnaître cette femme. D'accord? Maintenant, ouais, c'est très... Maintenant, si tu veux avoir plus de détails, j'ai des enseignements là-dessus, tu peux aller écouter, ça va être long. Ça va être long. Mais il faut premièrement que cette femme craigne Dieu. Premier critère numéro un, qu'elle craigne Dieu. Si tu vois une sœur qui est toujours absente à l'église ou qui arrive toujours en retard, ce n'est pas un bon critère. Ouais. Voilà. Bien. Mais même aujourd'hui, on a aussi, on peut être présente à l'église, à tous les cultes, et ne pas être une bonne sœur. Donc vraiment, il faut que Dieu t'aide. Amen. Ma sœur. Oui. Bonjour papa. Moi c'est Myriam Daé. J'aimerais poser une question. Par exemple, dans un couple, la femme est servante de Dieu, mais l'homme il travaille. Mais là, l'homme, à cause de la jalousie, empêche la femme de recevoir des hommes. Dans ce cas-ci, que faire? Merci. Non, mais en fait, la servante de Dieu commence. Elle dit, tu es dans le ministère et puis ton mari n'est pas dans le ministère. Vous savez, ce sont des cas atypiques. Hein, et ce sont des cas... moi, j'ai une position de celui qui est connu de tous, personnellement, de tous. Je pense que il y a un ordre avec lequel certaines choses sont faites. Il y a
dans ce qu'on appelle la volonté permissive, peut-être parce que certaines choses n'ont pas été bien négociées au départ. Si ton mari a des problèmes à ce que tu reçoives des hommes seuls, eh bien, trouve au moyen de les recevoir pas seuls. La réception peut se faire en présence de quelqu'un d'autre, sans aucun problème. Ton mari a des problèmes que tu reçois des hommes seuls. Il a peut-être raison. Il n'y a vraiment pas de problème à ce que tu reçoives en présence de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir une autre soeur à côté, tu peux avoir un autre frère à côté, et puis tu peux, ou alors tu reçois à une porte ouverte, et puis tu le mets dans des conditions telles qu'il n'y ait pas de suspicion pour assurer ton mari. Ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. OK. OK, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Il y a une question? OK, allons-y rapidement. Bonjour, papa. Ah, il y a deux questions. Je prendrai les deux dernières. Donc, allons-y. Oui. Moi, ma question, c'est quand un homme est marié légalement et sa femme voyage pour aller derrière l'eau, il prend une autre femme qu'il vit avec lui, les deux, ils font des enfants ensemble, mais il n'a pas divorcé. Qu'est-ce que... Donc, alors, pour ceux qui nous suivent en direct, aller derrière l'eau, c'est traverser pour aller en Europe, c'est ça, non? Parce que derrière l'eau. D'accord. Non, c'est pour ceux qui nous suivent en direct. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors et ça, il faut faire très attention parce que un homme, en fait, souvent la femme ne sait pas. La femme, sa femme voyage. Il reste, il ne dit même pas qu'il est célibataire. Et souvent, il amène une autre, il embarque une autre femme dans une histoire compliquée qu'elle découvre après qu'elle a peut-être deux enfants. Et ça, c'est dramatique. Et j'ai vu ça sur beaucoup de missionnaires qui voyagent, même qui viennent, hein, qui te disent que ouais, je suis pasteur, je viens prêcher l'évangile. Ils ont laissé leur femme dans leur pays et ils se marient dans le pays où ils arrivent. Ah ouais, ils laissent leur femme dans leur pays, ils se marient dans le pays où ils arrivent. Ils prennent une femme. Si d'ici maintenant, ils repartent encore pour Dieu en Belgique, ils prennent une femme en Belgique. Et que la Belgique va. Ouais, il y a des gens qui le font. Ah ouais, c'est pour ça que. Écoutez-moi très bien. Si vous avez, il est important, vivre avec quelqu'un nécessite des enquêtes préalables. Il est important de faire des enquêtes. Vous ne pouvez pas seulement parce que quelqu'un vous dit, ouais, voilà, on va vivre ensemble et tout. Bon, on va se marier. D'ailleurs, bon, ils vivent ensemble sans être mariés. Ça encore, c'est compliqué parce que dans ce cas, même dans ce cas, c'est même pas un mariage. Mais moi, je connais des cas où le mari était marié légalement et il est parti dans une autre mairie, comme ce n'est pas informatisé. Il s'est remarié à l'autre mari avec une autre femme alors que la femme est en étranger. Et il se retrouve avec deux femmes et deux actes de naissance. Normalement, ce gars doit aller en prison. Ouais, il doit aller en prison. On doit l'amener en prison. Mais c'est ça, non? Il doit aller en prison. Il doit aller en prison. C'est terrible. Alors, la femme qui a eu des enfants avec lui après, je ne sais pas comment elle va gérer ça. Parce que dans tous les cas, l'homme est marié. La femme, c'est... Elle espère que le monsieur va divorcer. Ah non, la femme, c'est une sorcière. Sinon, elle sait. Non, la femme, c'est une sorcière. Il faut laisser tomber. Ça part. Voilà, c'est pas. Il faut laisser. Bon, pose-moi ta question. Si la femme sait, moi, on n'a même pas de. Non, c'est pas. Bonjour, oui, papa. Oui. Ma question concerne les femmes qui sont victimes de violence dans le couple. Une femme qui est victime de violence, ils ont essayé d'utiliser le droit de moyen de recours pour conseiller les parents, etc. Et la violence continue sa part. Quel droit d'engagement d'engager le divorce? Non, première étape, non, mais ça vient en danger. Ah, ça, c'est clair, ça vient en danger. Vous savez, on a eu un évangile avant et puis on a causé des morts prématurées. Et cet homme a besoin de délivrance. Donc, normalement, le séparer de sa femme, même s'il ne divorce pas, on se sépare de sa femme pendant longtemps, il doit vraiment passer à la délivrance. Ah, je vous dis, à moi, on en délivre son esprit. Il doit en être délivré. Il y a des hommes qui ont problème. Il y a même dans cette salle des hommes qui givrent leur femme à la maison, qui tapent leur femme. Ils sont à l'église. Une femme qu'on tape, quand je vois comment elle se coiffe, je sais qu'on la tape. Ah ouais. Voilà. Sauf qu'après, bon, alors la femme développe, ah, j'ai honte, faut pas qu'on en parle. Et le mari dit non, nos problèmes doivent se régler. Non, c'est entre nous, on ne doit pas savoir. Attends, c'est entre nous, on ne doit pas savoir. Vous êtes arrivé chez le gynécologue, tu as laissé ta femme aller se déshabiller. Tu étais à la salle d'attente. Il a consulté ta femme, c'est le médecin. Vous arrivez chez le banquier, il connaît tout dans son compte bancaire. Vous arrivez chez le pasteur, tu ne veux pas que le pasteur sache ce qui se passe chez toi. Quel est le problème? Vous savez, le problème, c'est qui tue, c'est le silence.
vous devez en parler. Et parler à l'église, ce n'est pas divulguer. C'est aider à trouver une solution. Vous devez en parler. Si vous êtes violenté, vous en parlez. Sinon, vous en mourrez. Ah oui, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Alors, du tout. Pas du tout. Aucune femme ne mérite d'être battue par un homme. Et aucun homme ne mérite d'être battu par une femme. Parce qu'il y a des femmes qui battent leur mari. Oh ouais. Ah, il y a des femmes qui battent leur mari. Il y a des femmes qui battent leur mari. Je connais une femme qui dit à son mari, mets-toi à genoux. Et il se met à genoux. Imaginons que tu épouses une femme qui est catcheur. Elle va te battre. Allez, que Dieu bénisse son âme. Et que Dieu bénisse sa vie, que sa grâce et sa paix soient ton partage au nom de Jésus. Amen. On va baisser nos têtes. Le Seigneur me rappelle qu'aux environs de 4h45, j'étais en train de prier. Il m'a demandé de prier pour le salut. Il vient de me le rappeler. Il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin d'être sauvé ce matin. Il y a quelqu'un parmi nous. Le Seigneur vient de me le rappeler. Alors tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus avant qu'on ne prie même pour le message. Lève ta main. Le Seigneur t'a envoyé pour te sauver. Tu es venu ici pour le salut. Tu ne connais pas Jésus. Si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Lève ta main. Viens. Fais-le venir. Fais venir ces personnes. Viens, fais venir ces personnes. Randa Cabrono, Sakata Rebaba. Irai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel. Alléluia. Jeune homme, le Seigneur veut faire quelque chose de particulier avec toi. Je voudrais que tu parles avec le pasteur Kanker tout à l'heure. C'est pour toi que je priais à 4h30 du matin. C'est pas que je ne sais pas dire que son salut n'est pas important, mais il y a quelque chose de particulier que Dieu fait avec toi. Dieu m'a intimé de parler, de prier pour le salut de quelqu'un ce matin. Et c'était toi la personne. Dieu veut faire des choses avec toi. Sache que quel que soit ce que tu as vécu de par le passé, tu as la capacité de pardonner et de te restaurer. Faire confiance à Dieu, c'est tout ce qui est le plus important. Et c'est valable aussi pour toi, ma soeur. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et ce matin, je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Merci Seigneur pour la vie que tu répands en moi. Maintenant, et mon nom que tu écris dans le livre de vie, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Pendant qu'on est là, il y a une sœur parmi nous. On t'a lancé un sort. En fait, c'est un sort. Et souvent, il t'arrive de faire certains rêves. C'est ce qui mélange ta vie et détruit ta vie. En fait, on t'a lié quelque part dans le monde spirituel et ce sera presque impossible pour toi de pouvoir te marier si ce sort n'est pas brisé, si ta vie n'est pas donnée à Jésus. Et récemment, tu as eu à manger en songe. Tu as eu à manger en songe récemment. Et donc, ils sont venus renouveler cette alliance. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. Avance devant l'autel, je veux prier pour toi, s'il te plaît. Viens rapidement devant l'autel. Et à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Viens rapidement devant l'autel, n'aie pas honte. On n'a pas beaucoup de temps. Viens rapidement devant l'autel. Tu es lié. Viens rapidement devant l'autel. Lève ta main droite vers le ciel. Je vais t'apprendre ces paroles, Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Délivre-moi. Restaure-moi. Délivre-moi de tout lien avec le monde occulte. Je n'appartiens pas à Satan.
Je t'appartiens entièrement. Je veux te servir. Merci pour ta puissance qui brise les chaînes de la captivité et me rend libre au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Père, merci pour sa délivrance au nom suprême de Jésus. Amen. Prenez ces fiches. Comptez sur ta fidélité. Nous a parlé. Alors chacun d'entre nous va répondre à Dieu, va parler à Dieu, va prier le Seigneur afin que cette sagesse, cette parole qui nous a été communiquée nous soit utile et que même Dieu nous donne d'approfondir cette connaissance et qu'elle impacte totalement notre vie quotidienne. Et même profitons pour demander à Dieu la sagesse dans la gestion financière, même individuelle. Si on n'est pas marié, la sagesse de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Tu as dit, si nous manquons de sagesse, demandons à Dieu qui nous en donnera. Père, nous demandons ta sagesse. Nous la demandons entièrement, totalement, grandement, dans le nom suprême de Jésus. Nous demandons ta sagesse au nom suprême de Jésus. Déploie ta main puissante, ton bras étendu, fais-nous du bien. Restaure, bénis, comble chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Ceux qui sont connectés à cet autel, visite chaque maison, touche chaque famille par ton pouvoir élevé. Père, merci pour ta sagesse en opération, nous rendant à même par ta force au nom suprême de Jésus de passer à notre palier de la jouissance de la vie sous le soleil au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je continuerai.